On s'en fout de ta vie. N'empêche que là, j'ai lavé. J'ai fait attention à l'avant, tu vois. Pas fait comme j'ai fait d'habitude là. J'ai pas fait là. J'ai dit, je vais pas faire ça parce que. Bonjour à toutes et à toutes. C'est ça qui a dû lancer. On s'en fout de ta vie. Mais je te le tiens, d'accord. S'en fout de ta vie, le moineau là. Vos vlogs numéro. Et toi, l'oiseau de nuit là. 11. Tu te tais. Tais-toi, l'oiseau de nuit là. Deuxième oiseau noisette. De nuit. Noisette, ouais, t'es noisette de nuit. Je suis noisette. Pas une noisette, hein, une noisette. T'es une noisette. Je suis féminine. Pourquoi t'es une noisette? Parce que si t'es l'oiseau, moi je suis la noisette. T'es une noisette. Oisette, pas noisette. Ah, oisette. T'es une noisette. Mais touche pas mes médicaments. Pourquoi tu touches mes médicaments? Continuez dans le pilulier. Touche pas mes médicaments. J'ai commencé et puis qu'il n'y avait pas assez. Marrant, dis non. J'ai une chaussure. Bah, regarde. C'est pas la même couleur, celle-là. C'est ce que j'ai eu la première fois. Change de couleur. Les premiers, ouais, mais j'espère qu'elle t'est pas trompée. Hein. Non, c'est marqué dessus. Je me sens que je les ai déjà eu ceux-là. Oui, mais c'est bon, c'est l'amopidine 5 mg, c'est ça. Et pourquoi ils sont rouges alors? Parce que c'est une boîte de 3, puis ça doit pas être le même. Ah oui, c'est Zantiva. C'est pas le même laboratoire. Oh, c'est pour ça. Ils changent de laboratoire, les pharmaciens. Ils peuvent avoir le moins. Le moins cher. Enfin, le moins. Ouais, parce qu'il est plus. Parce que là, j'ai vu, oui, en ce moment, ils donnent beaucoup de médicaments avec Zantiva. Ça va faire de la couleur entre les piliers. Hop là. Oh, j'ai pas fini. Hop là. Petite coucourse, mais bon, pas beaucoup. Après, j'étais à la pharmacie pour mes médicaments. Déjà, médicaments, bah, vu du fait que je prends le matin et soir. Ouais, bah, chaque fois, ils tombent en panne. Je prends le matin et soir, du coup, bah, ça ne fait que 15 jours et bah, ça ne fait pas le mois entier. Oui, il a donné pour un mois et demi. Hein. Donc, chaque fois, bah, je suis obligé de retourner pour rechercher mes médicaments. Mais c'est pas les mêmes. D'habitude, ils sont tous jaunes. Et là, ils sont comme ça. Ouais, là, normalement, ils sont comme ça. Là. Mais c'est exactement pareil. Hein. Alors que normalement, ils sont tous jaunes. Ça, bah, normalement, ils sont comme ça. Ils sont jaunes. Mais ils sont comme ça. C'est apparemment, c'est pas les mêmes, le même nom de la boîte. Pas le même laboratoire. Ouais, pas le même laboratoire. Ouais, ça, je sais parce que on servait à un hôpital. Mais c'est les mêmes médicaments. On avait les laboratoires qui venaient. Mais c'est pareil. Quand j'étais secrétaire médical. C'est là que je te ramenais les post-it, tout ça, là. Ouais, la meuf. Et les labos, c'est ça qui est bien quand ils viennent. Tu te rends compte, elle était secrétaire médicale. Attention, c'est rien, ça. Ils vous donnent des stylos. Il n'y a pas beaucoup qui aient pu faire ce métier-là. Des stylos, des post-it, ils donnent plein de choses. Les labos. Je rigole, moi aussi j'étais secrétaire général des médicaments. Qu'est-ce que vous croyez? Si, j'ai fait pendant 2 ans. Moi aussi, pendant toute ma vie j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il y avait au monde entier. C'est ça que j'ai appris les mots, tout ce qui est mots, les grands mots là, on dit en médecine. Je me sniffe. Tellement psychiatrie. De l'eau de Javel, Twingo. Eh oui, il y a de l'eau de Javel, Twingo. C'est nouveau. Ah, je suis Aldi. Ouais, c'est Twingo. C'est beau, c'est Twingo. Si, c'est marqué là, Twingo. C'est marqué Twingo. Ah oui, fraîcheur. Twingo. Twingo, c'est un D. Mais c'est Twingo. Et alors, en plus, elle est à la fraîcheur eucalyptus, celle-là. Golden Power Rigouillard. Voilà. Ça. 2 litres de lait, parce que j'en avais. Piou. De la marque Massipila, Piu. Il est à la maison, il consomme le lait. Hein. Et t'es sûr, il consomme le lait. Et là, vu qu'il reprend. Mais c'est toi. Il fallait pas le dire. Il reprend demain, ça t'appelle. Moi, tu l'as dit. Et la litière. La litière, parce que, en plus, c'était le dernier. Wash, comme on avait wash le cul. Ah oui, non. On avait du cul, hein. Qu'ils vont remettre. Donc bon, le Javel 89 centimes, il a baissé. Énergie 49 centimes. Litière 1,79€ et le lait 95 centimes. Alors ça va.
La litière, le gamel, il était à 99 centimes, il est à 94 centimes maintenant. Ouais, ça, je sais pas, ça fait yo-yo. T'as des trucs qui font yo-yo. Bon, moi, je vais boire mon kawa. Et après, ça, je vais aller nettoyer mon cucu, mon saucisson de berger, mes oreilles, enfin derrière les oreilles, tout, un petit coup sur les pattes, et c'est bon, ça y est, je suis lavé. Rasé. Je suis lavé. Je suis lavé. Ah oui, ça fait, ça fait 3 mois que je ne me suis pas lavé. Oh là là, putain, les mouches. Ben non, ils écoute, à froid, voilà, j'ai pas de mouches. Ah oui, elle résiste pas. Dès qu'ils me voient, ils tombent par terre. C'est des. Voilà. Ça te fait. Ah non, il en a manqué un là. Oh là là. Ah non, j'ai fait quoi là? Ah, je me suis trompé. Attends, ça va pas. Ça va pas aller. Ah là, oui, non. Marre. Oh là là, j'ai fait comme ça. Oh, elle a fait une connerie. J'ai pas mis bon équipement. Donc ça va aller là-dedans. Ouais, tu veux me tuer ou quoi? Non, non, c'est parce que. Ah, ça sent. Ça, c'est parce que comme je me suis retrouvé en panne pour faire tout à l'heure. Je fais pas attention. Assassin, elle a voulu m'assassiner. Donc alors en plus comme ils sont pas la même couleur, faut pas que je me trompe. Assassin. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Ouais, assassin. Ça me dit que là. Assassin, elle a voulu m'assassiner. Bizarre. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. À plus tard. Là on est quoi, vendredi? Non. Oui. On se retrouve dans la salle de bain. C'est très rare, très très rare qu'on se retrouve dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux? T'es en vidéo, toi? Oui, je suis en vidéo dans ma salle de bain. Laisse-moi tranquille. Je vous rêve. Oh, regarde mes muscles. Allez, vas-y, relâche parce que tu vas être tout bleu là. Salut papa qui fait. Mon bébé d'amour, du petit papa. Coucou. Coucou mon cœur. Coucou. Bébé. Mon bébé. Coucou papa. Oh mon cœur. Oui, oui, bébé. Il est fatigué. Le bébé est fatigué. Je sais pas moi quelle heure qu'il est. Est-ce que j'ai une tête à te dire? Et puis il ferme la porte parce que... Moi je vais être tranquille quand je me rase. J'ai pas envie d'être embêté quand je me rase. Donc voilà. Donc j'ai pris une bonne petite douche. Je fais tout propre, tout propre, tout propre. Voilà, on va faire un petit rasage. Après on va se coiffer correctement les cheveux. Hop. J'espère que j'ai assez de... J'espère qu'il y a assez de bombes. Moi, normalement, la bombe, là, elle fait... Elle me fait une éternité, ma bombe. J'en mets pas une tonne. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Surtout que je viens déjà passer un coup de tondeuse pour que ça fasse plus facile à... Voilà. Je suis tout beau. C'est Papa Noël. Je suis le Papa Noël quand tu descendras du fiel. Donc demain, ça y est, demain, boulot. N'importe quoi, ils m'appellent un samedi pour me dire, ouais, ils sont pas beaucoup, on a besoin de toi. Ok, j'arrive alors. C'est du n'importe quoi.
Ouais, tu me diras, comme ça, je me suis reposé 4 semaines. Enfin, reposé, oui et non, quoi. Vu que j'ai fait des petits travaux, mais bon. D'un côté, on va dire oui, je me suis reposé. Même si j'ai pas arrêté. Et on reprend demain à midi. Midi 16h. Et je reprends la semaine. Du lundi au vendredi, de 7h à 15h. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Mon kiki. Mon kiki, mon kiki. C'est parti un tour, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Elle est bien ce rasoir. Je sais plus où je les ai pris ces rasoirs là. Les fondements ils sont bien, ils coupent bien. Ils coupent super bien. Des petites coupes de sang, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas rasé au rasoir. Donc c'est normal que je vais avoir des petits trucs de sang. La bouée, avec la bouée sous le cerveau. Voilà, j'en doutais, et je savais que j'allais signer. J'ai plus l'habitude avec le rasoir. Comme c'est un rasoir tout neuf, donc automatiquement, kiki, mon kiki, mon petit kiki. Mon kiki, mon kiki, mon petit kiki. Ah, qu'est-ce que c'est ça? La bouée là? Attention à ma boucle d'oreille, pas m'accrocher dessus. Voilà. Bon bah là, oh ça ira très bien. De toute façon j'ai pas à plaire. Hein. Du moment où je me plais à moi-même.
tout comme ça à l'envers. Un petit coup à l'endroit, un petit coup à l'envers. Pour enlever le plus possible de poils. Voilà, comme ça, ça fait tout doux. Ça fait tout dit, ça fait tout doux, et ça fait tout doux. J'ai mis le bordel. Voilà. Hop. Attends. Voilà, le truc est comme ça. Voilà, hop. Sur mon petit touluc. Mon gant. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi. Oui, ah, c'est chaud. Oui, et alors? C'est quoi ton problème? Quoi? C'est la menthe. Bah, c'est normal, mon truc, il y a la menthe. La bombe. Bah oui, c'est la menthe. C'est tout, c'est bon. Ah non, c'est pas ce que tu veux. Oh là là là. Voilà. Il y a quoi la télé, soi? Tu touches pas à mon gant, là. Je touche pas à mon gant, là. Ou je te marrame. Mais de la crème. Tu vas m'apprendre à me raser? Non, je t'ai dit de la crème, tu peux te parler de ta... Tu vas m'apprendre à me raser? Je parle pas du rasage. Je sais ce que je dois faire. Oh. C'est pas handicapé. Il aime pas la remarque. Hein. Et je sais ce que je dois faire ça, de mon corps de rêve. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit tu mets la crème. Mais je sais ce que je dois faire. Si j'ai pas envie de mettre de crème, je mets pas de crème. Tiens, on va se nettoyer les oreilles. Fais gaffe s'il y a du caca dedans. Ça fait 6 mois, je me suis pas nettoyé les oreilles. Il reste quoi en coton-tige là, parce que j'ai pas regardé. Il y en a assez, c'est bon. De toute façon, moi, c'est un coton tous les 1000 ans. Pas spécialement là, ça. C'est un coton tous les 1000 ans, je me sers. Je me sers toujours du même coton. Voilà. Donc avec moi, il n'y a pas besoin de d'arracher du coton. Ça va, ils sont pas trop caca. Tu veux voir? Non, parce que tu m'étais déjà nettoyé déjà. Bon, vous allez me dire, ouais, on n'a plus le droit à ça, c'est un appareil spécial, nanani, nanana. Oh, non. Mais bon, non. Je suis trop habitué au coton-tige, je reste fidèle. Au coton-tige, il suffit de faire attention, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Après, tu sais, à la limite où tu peux pénétrer le coton dans ton oreille. Pas dans le troufion, bien sûr. Voilà, c'est fait comme Michel Dumas. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et je retourne. Et on fait une belle crème chantilly. Oh, Maouts, tu es là, Maouts. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Coucou, tu viens pas voir papa? Tu viens voir ton papa? Oui, mon beau bébé, il vient voir ton papa. Oh, oui, Maouts. Oui, mais je t'ai dit, tu viens voir papa, tu viens pas pour pisser dans, le, dans la salle de bain. Sinon, je te marrabe. Sinon, je te marrabe, le chat, si tu viens faire pipi dans la litière. Dans la salle de bain, je veux dire.
Bon, le problème, c'est que... sont mes crèmes? À moi. Sont où mes crèmes? À moi. Sont où mes crèmes? À moi. Voilà. Et voilà, comme ça chante bon. Bon, maintenant je les ai nettoyés avant que je prenne ma douche. Donc j'ai pas besoin de me relaver ma dent. Mes dents, je veux dire. Mais ils sont où les crèmes, bordel. Elle est où ma crème là? Elle est où ma crème? Je te pique ma dent parce que je sais pas où est l'autre. La mienne. Je retrouve pas. Ah, j'ai plus de crème, moi. Mais t'es sérieux, là? Chantez aux moines. Amen. Et un petit peu de crème, ça fait pas de mal. C'est pas souvent que je me mets de la crème, mais de temps en temps, là, je me mets un petit peu de crème après le rasage. Ça adoucit. Ça adoucit à peu près la peau. Et ça sent bon. Je vais voir si je vais me faire enlever le petit truc, là. C'est un morceau de peau que j'ai depuis, oh là, fort d'années, dans une planète très 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 lointaine, que j'ai ça. C'est une petite peau. La première fois, un mec m'a dit, ouais, regarde, t'as une crotte. Non, je sais plus, c'est une dame ou un monsieur m'a dit, monsieur, faites attention, vous avez une crotte de nez, là. Oh, comment j'ai rigolé tout seul. Mais non, madame, ce n'est pas une côte de nez. C'est un bouton. Là, c'est une petite peau qui s'est mise là. Bon, des fois, ça me gêne un petit peu. Des fois, non, ça me gêne pas. Mais je vais voir si je peux. Je peux me le faire enlever. Hein. Mais après, bon, voilà, ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de mon corps de rêve. Mais je vais l'enlever, ça me saoule, ça m'énerve. J'ai peur que le bordel il grossit. Mais c'est vrai, ça fait bizarre. C'est vrai, ça fait vraiment l'impression que c'est t'as une crotte de nez. Mais je vais voir si je peux me le faire enlever. Mais je crois que je peux me le faire enlever par laser. Tu rentres le matin, tu ressors l'après-midi ou le soir, comme ça. Mais déjà, faut, je vois ici, c'est pas cancéreux. Parce que si c'est cancéreux, faut éviter. Éviter de se le faire enlever si c'est cancéreux. Puis avec la chance que j'ai, moi. Oh, Maouz, oui, Maouz, qui a Maouz? Oui, Maouz, qui a Maouz? Qui a mon Maouz? Oui, 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 oui. Et voilà. Et voilà. Bon, bien sûr, j'ai pas me maquiller. Hein, ça va dire. Hop. Ça va dire dodo.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Oui, 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 et c'est vrai, c'est la vérité. J'ai entendu ça à la télé, qu'un lapin a tué un chasseur. Tubi, tuba, tubi, tuba, tubi, tuba, tubi. Et voilà, monseigneur, hop. Allez, tu vas rentrer, bordel. Cacahuète, pirouette. Le petit peigne pour brosser les aisselles. Voilà, comme ça sent tout beau. Voilà. Voilà, comme ça ils sont bien. Voilà, comme ça ils sont bien. Sont bien ils sont bien peignés. Donc voilà mes enfants. Donc on va remettre. On va mettre mes bracelets de brésilien. Bon, après, je peux me laver avec, mais bon, j'avais pas envie. Hop, voilà. Ouh, c'est froid. Donc, voilà, mes amis. Sur ce, c'est fini. Je me suis fait toute belle. Pour demain. Comme ça. Vas-y, vas-y. Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je vous reprends aujourd'hui. Il est samedi 2, je crois. Je suis au travail, je reprends aujourd'hui juste pour midi 16h et après bah, je reprends comme d'habitude du lundi jusqu'à mercredi pour l'instant de 7h-15h. Donc les vacances c'est terminé. Voilà. Donc ils m'ont rappelé aujourd'hui sans... pour le samedi là, parce qu'apparemment on aura peut-être besoin de renfort. Mais c'est bizarre, vous avez dit qu'en quoi qu'il travaillerait plus le samedi. Pour ça, ça me semble un peu étonné. Mais bon, c'est pas grave. Tant que je suis là, c'est le principal. Hop. Ah, ça fait bizarre. C'est bizarre de reprendre là. Ma protection, c'est reparti. D'ailleurs, quand je vais avoir un petit peu de sous là, je vais me racheter ou je vais voir sur Temu s'ils vendent des protections comme ça de genoux, des trucs tout simples, pas des trucs pharmaceutiques, bon, enfin une bêtise comme ça, la pharmacie, je veux dire. Un truc tout le temps, ça j'avais acheté à. Décathlon à Créteil et il est mort, mais le deuxième je sais plus où il est, je le retrouve plus le deuxième, je sais pas, mais j'ai que celui-là, donc faut que j'en reprenne un autre. Tu t'achètes le lot, c'est un autre, les genoux droits, genoux gauche. Donc voilà, ça va faire bizarre. J'espère qu'il n'y a pas trop de taf. J'espère que ça sera bien. On va retrouver les collègues. Voilà. Ça va, celui-là. Retrouver mon petit truc là, de pour mettre mon téléphone, mon badge, et voilà. Oh.
suis déjà fatigué. À peine commencé, je suis fatigué. Donc j'ai ramené mes affaires propres. Un petit pull. Enfin, un sweat. Ça n'est pas encore en été, hein. Il fait encore frais. Pas oublier le gilet jaune, très très important, le gilet jaune et les chaussures de sécurité. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. En plus, j'ai eu de la chance de l'avoir pris parce que j'en avais pas là. J'étais à la maison hier soir, je me suis dit, si je fais, je prends un gilet jaune, je prends pas de gilet jaune. J'ai eu raison de prendre un gilet jaune parce que je n'avais pas. Faut que j'en mette, faut j'essaie d'en mettre un d'avance ici. Et en cas où, si un jour j'oublie un gilet jaune, au moins j'en ai un. Faudrait que je reprenne un en action. C'est à action que j'avais pris, le gilet jaune. C'est 1€ des poussières, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment pas cher. Un tout neuf. Comme ça, je le fous dans mon casier. Et après, bah voilà, leur chavane. Alay Shabbat. Il faut que je rechange aussi mes semelles. À l'intérieur, il commence à s'abîmer un petit peu. Hein. Ils tiennent plus comme avant les semelles. Avant les semelles, ça y tenait bien plus de 6 mois. Maintenant, au bout d'un mois et demi, 2 mois, ça y est, ils sont déjà morts. Ça va si on avance, mais même pas 11h, je commence à midi, donc tant mieux, ça me laisse le temps de regarder une petite vidéo, et puis après ben, on va descendre tranquillement, boire un petit café, enfin un petit chocolat, et après ben, voilà, c'est reparti pour un tour pour aujourd'hui. Voilà. Donc un petit peu de parfum pour sortir bon quand même. Donc là s'il y a des fifilles, ça sentirait bon. Hop, un petit coup de peigne. Hop. Voilà, qu'est-ce qui pousse vite les cheveux. Qu'est-ce que ça pousse trop vite. Voilà. Hop. J'ai le téléphone, j'ai ça. J'ai mon couteau. Par contre, j'avais des écouteurs, je sais plus où ils sont. Je les retrouve plus. J'avais des écouteurs bleus. Je vais être obligé de racheter encore des écouteurs à action. Ça me saoule. Je les ai plus. Je les retrouve plus. Là, ils sont restés dans l'autre pantalon. Enfin, je reste ça tout à l'heure. Si je les retrouve. Hop. Ma petite clé. Hop. Je l'emmène. Voilà. Je l'emmène avec moi. Et puis, bah voilà. Ça y est, je suis
Je suis fin prêt pour aller. Allez, pour aller danser. Je suis bien prêt pour aller danser. Ohé, ohé. Voilà. Comme ça, je suis tout plaît, tout plaît, tout plaît. Sur ce, on se retrouve par hasard. Une vidéo sans parole et sans machin. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère qu'elle est view bien, moi view très très bien. Bon, ouvre la fenêtre. Attends, comment on va dire le gars pour ouvrir la fenêtre? On ne te rappelle même plus. Mais moi je parle pas portugais. Hein. Elle te l'a dit pour toi aujourd'hui, ta vidéo. Oh, comment elle dit? Demande à Olga va te leur dire. Olga, tu peux lui redire. Olga, Olga dans la fenêtre là. Non. Bon, Olga dans la fenêtre là. Ça veut dire ouvre la fenêtre. Ouvrir la fenêtre. Hein? Ouvrir la fenêtre. D'ouvrir la fenêtre et de toi si tu ouvres la fenêtre. Elle t'a dit deux fois. Oui. La façon. C'est quoi ça? C'est ton fils. Donc c'est Boulga Dibou Lugala Boula Gula Dula Funa Afunatoula Funa Ubra Ubra Funatro Funato. Bon, je vais me refaire un café parce que cette chose humaine là, vous voyez la chose humaine là, elle m'a fait tomber tout mon café. Je m'étais préparé un bon café, il était super succulent, super bon. Et elle me dit, eh ben je pousse ta tasse. Je dis, non, tu pousses pas ma tasse. Tu prends la tasse, tu la portes et tu la déplaces. Mais tu pousses pas la tasse comme ça. C'est pas vrai, il m'a pas dit ça. Parce que c'est une nappe. Donc, si c'est une nappe, automatiquement, ça va coller sur la nappe. Déjà, tu m'as pas dit ça. T'étais tellement fourré dans sur ton truc là que. T'étais fourré dans ton truc là. Ah, m'a saoulé. Elle a pris la tête, la meuf! J'ai maravé! Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça qu'elle a trois bleus maintenant. La blesse, m'a fait mal. Oh, j'ai oublié le chocolat! Bien fait. T'en as acheté un gros pot l'autre fois? Non, il n'y en a plus. Putain! Ah, ça me gratte! J'ai des puces! T'as vu comment tu consommes trop de chocolat et de café, toi? Et t'as dit, on va consommer le chocolat? J'en bois pas beaucoup, hein. Non. Bien sûr que non, j'en bois pas beaucoup. Il y a un truc qui me gratte, ça m'énerve. C'est quoi qui me gratte comme ça? Ah, c'est encore mes varices. Oh, un chat. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maout? Tiens, vas-y, lèche. Lèche ma jambe. T'as cru que c'était quoi? Lèche mon toutou, lèche. Non, Maout. Dès bonjour, Maout, il est là. Il est là, le Maout. Il est là, le petit Maout. Vous inquiétez pas, il pense qu'il a bouffé. Hein. S'il est là, c'est que. Non, stop, c'est bon, Maout, t'as assez mangé. Non, mais il en a. Hein. Et puis, t'en as encore. Assiette. Bon, Mais. Vous voyez, je peux rien faire. Ah ouais, cette meuf là. Il a mis son chapeau, nid d'abeille. Ah. J'ai pas de sous pour aller au coiffeur. J'ai dit, t'as des nids d'abeille. Voilà. Mais c'est quoi qui me gratte? Y'a un truc qui me gratte? J'ai une puce ou quoi? Ah. Ça me gratouille. Heureusement, c'est pour ceux qui sont de berger. Ah bah, il manquerait plus que ça.
Alors même si c'était là, il y a un loup pour ton problème. T'es en vidéo, hein, t'as pas de gratter ce son d'argent envers la vidéo quand même, non mais où oh. Eh eh. Et oui, le mongol du démanché est là. Ah, ça y est, il est revenu, ouais. Là-bas, il y a une poubelle là-bas. Non, ça va le remplir, tu mets là-bas. Mais il y a, là, y a rien là-bas, faut que je prenne un sac. Bah prends un sac et pêche-toi. Aïe, il se fait mal. Qu'est-ce qu'ils sont chiants à ouvrir maintenant, tout bouteille maintenant, ils ont ça accroché au truc, ils ont peur que qu'on part, qu'on pique les bouchons quoi. Ah c'est chiant. Moi je suis obligé de faire comme ça, et puis après comme ça. Voilà. Voilà, après ça fait quoi ça, après ça fait comme ça. Quoi, ça veut rien dire. Non, je pense que t'as mordu en bas mais... Et ça fait comme ça après. Hein. Puis ça fait comme ça aussi sur la table. De quoi ça fait comme ça? Y'a rien? Il met du lait autant sur la table que dans la tasse. C'est pour les moineaux. En vrai, ça s'est rafraîchi parce que le frigo il est glacé. Pendant on a baissé hein. Je vais laisser ressortir. Je sens que je vais la comme toi, quand moi je raconte ma vie, t'es là, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Donc pas rester trop longtemps. C'est quand même un vlog hein. Déjà tu restes 2 heures comme ça, moi je. Non non. Arrête. J'ai pas mis de sucre. Merde alors. Je l'ai senti direct. Direct. Je l'ai senti. Tu sais comment je prononce bien le R? Direct. Et je ne crie pas, je m'exprime. Non, bah non, c'est même pas s'exprimer, ça c'est. Si, je suis comme cri-cri d'amour. On parle pas fort, on s'exprime. Christian, Christophe. Le copain de Audrey. Hein? Vous avez même Audrey, elle a dit tu gueules. Il a dit non, je gueule pas, je parle. Donc moi c'est pareil. Donc Cricri et moi, on gueule pas, on s'exprime. C'est pas pareil. D'ailleurs, un petit coucou à eux. Donc, on va pas rester 3 heures hein, quand même. Hein, là, moi, j'ai un petit café là. Moi, j'ai un métier. Mais tu fais quoi là? T'as mis une tâche là. Une tâche de. Regarde. Il balèche. Oui. Donc, j'ai pris. C'est la meuf qui a payé. Hein. C'est pas moi. J'ai pris My Hyper to Amor une fois. Ah, ça me saoule, toujours en train de bouger les trucs, ça m'énerve. Mais vous êtes témoin, elle a voulu m'assassiner. Hein? Je fais ce que je vois quand même, non? Non! Ça veut dire quoi ça? Ah, ah, oh, genre, je l'ai même pas touché. Oh, je saigne une hémorragie. Ouais, tu vas aller à l'hôpital. Oh là là. Ah, une hémorragie interne. Ah, ah, je saigne. Vous avez vu, regarde, regarde, vous avez vu, regarde, il y a du sang. Là, le lait par terre. Il y a du sang là. Regarde, je saigne. Bah, c'est bien. Tu veux, je t'en mets un autre que ça te saignera des deux côtés. Je saigne. Oh, pas possible. Eh, hey, pousse-toi, le gars. Eh, hey, voilà, encore quoi à manger, ça. Et ils sont encore bons, les clémentines. Bah, oui. Clémentine, avant les désistoires. Donc nous avons Louisa. Avant, après. Avant, après.
Une baguette pour ce soir, parce que je n'avais plus de baguette. Comme je disais, j'avais plus de boisson pour ce soir. J'ai repris du jus de pomme. Il est pas mal celui-là. En plus, il est pas cher. Ah, j'étais au fait à Carrefour City. Au fait, hein, j'étais à Carrefour City. Hein, au fait, hein. Très très bon. Franchement, j'aime bien. Le titre, on va le voir quand? Oui, on sait, alcoolique. Ah, attends, je vais aller boire le lait. Par contre, t'as pris qu'un litre de lait. C'est bien guisé, 1,20€ le lait. La dernière fois, tu l'as pas payé 1,20€. Eh ben, c'est pas à Carrefour City, c'est à Terre. Non, même pas ça. Oui, c'est à Terre parce que je voulais, répétons, on voulait prendre en brique, pâturage, il n'y en avait plus, donc j'ai pris une bouteille, pâturage à probe, elle est là. Non, elle n'est pas là. Non, j'insisterai pas. Les gens, vous êtes témoins. J'ai pris une bouteille comme ça à Intermarché et elle m'a coûté 1€. Parce que le pâturage en brique, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris en bouteille la marque pâturage et j'ai bien précisé, j'ai cru que c'était beaucoup plus cher. Et en fin de compte, c'était 1€. Et là, c'est 1,20€. Donc, c'est plus cher. Donc c'est moi qui a, c'est moi Wache qui a, moi Yache qui a raison. Oui, bien sûr. C'est pas ta voyage. Bien sûr, on va te croire. Oui, les gens ils me croient. Parce qu'ils m'aiment. Les gens ils croient, mais moi je te crois pas. C'est la différence. C'est tous mes maîtresses, donc ils m'aiment. Du cola. Être en grande, il restait plus que 3 bouteilles. C'est incroyable comment ça part vite ce cola. Ouais, je sais pas, avant il partait pas du tout. C'est vrai, j'ai pas compris. Depuis que Cécile a arrêté le sucre, elle prend que celui-là, et comme par hasard, ça part. Avant, elle en prenait pas, il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas un foutage de gueule ça? Donc comme ça, elle est tranquille, à condition qu'elle ne boit pas, bien sûr. Et je sais quoi, j'arrête de dire de me prendre des. Ah, j'ai oublié le concombre. Ah, super. Je m'en doutais. À chaque fois qu'il va en course, il oublie un truc. Ah, ce sera pour demain. Ah bah oui, voilà. Ce soir, je mange quoi en entrée. Mais il traite ta boulet, il traite des trucs. Mais alors, tu finis ce qui reste, c'est tout. Il y a eu le problème. Moi, quand je l'ai pas, je l'ai pas. Je fais pas un caca nerveux. Oui, ben je ferai une salade. Si, parce que avant de partir, je te l'ai dit. Tu m'as dit... et le concombre, oui. Sauf qu'il revient. Il est où le concombre? Il est encore au magasin. T'as pas fini ton... Change pas de conversation. Truc. Il m'oublie à chaque fois un truc. Vous, les meufs, vous êtes pas comme nous. Hein. Nous, quand il n'y a pas, il n'y a pas. On fait pas un caca nerveux. Non, non, il n'y a pas. Il y a pas. Il y a dans le magasin. Vous, les femmes, dès qu'on vous prend... Il y a dans le magasin. On oublie un truc. T'oublies. Ça y est, avec vous, c'est la fin du monde. Non, on fait pas des crises comme ça quand on n'a pas. Oh, l'autre, genre, je fais pas des crises comme ça quand il y a pas. Non. Mais bien sûr. Tu verras tous mes abonnés hommes qui sont avec moi, tu verras, ils bon, diront pas beaucoup d'hommes. Hein. Ils diront pareil. Ils diront, nous, on fait pas un caca nerveux comme ça. Mais vous, c'est plus fort que vous. Dès qu'on... Je crois que tu vas avoir plus de commentaires par rapport à ce que tu dis là que de ce que tu penses. Vous, dès qu'il manque un truc, on vous prend pas. Ne rajoute pas, tu vas te faire descendre. Vous avez pas pris, tatapi, tatata. Hein? Quand nous, on a besoin d'un truc que vous ne prenez pas. Ouais, ça va, arrête un peu là. T'as les cheveux qui commencent à faire tout ça. On vous fait pas un caca nerveux comme ça, nous. On dit rien. On s'habille, on va le chercher. Ou on se dit, bon, on verra ça demain. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Demain, il fera jour. Et entendre que d'être sûr que d'entendre ça. Ah bah oui, bah. Les oreilles, c'est comme le troufion, ça se nettoie. Hein. Oui, mais moi, ils sont lavés. Bah moi aussi, hein. Bon alors, ta bouche. Alors, ta bouche, hein. Donc, j'ai nettoyé mes baquettes. Oui, bah pour une fois qu'il est nettoyé. Je les ai nettoyées, tout propre. Depuis que tu les as, il n'a pas nettoyé. Et ta soeur, elle n'a pas nettoyé. Depuis que tu les as, tu ne les as pas nettoyées. Et ta soeur, elle n'a pas nettoyé. Et ta tienne. Ma soeur se nettoie tout le temps. Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que, je sais, c'est ma soeur, donc on a le sang contre sang. On est jumeaux. Donc, toute bête ou propre. Tout bête ou propre. On va en parler de la lacets, mais les lacets, on s'en bat les cacahuètes. Mais ils sont tout propres. Ah oui, j'étais en vue comme du fait que ce matin, m'a renversé mon café. Du coup, ma basket a été remplie de café. Bah, comme ça, ça donnait l'occasion de les nettoyer. C'était une basket achetée. Achetée. T'as acheté, j'ai pas dit acheté. T'as acheté. Bon, je reprends la matasse, parce que ça serait capable de me refaire tomber. Oh, mais tu sais pas boire un café, on dirait un vieux qui boit son café. Là. Et ta soeur, c'est une vieille qui boit un café. Et la tienne, là, c'est pas une vieille, peut-être? Si, elle est vieille, ma soeur. Moi, alors? Elle a 50 millions d'années. Oh, il m'énerve. Elle a 180 ans. Ah là 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 là. Bon, les friches pour les vieux. Ah oui, vraiment pour les vieux, parce qu'on voit rien du tout alors. Heureusement, je connais les prix. Hein. Le coca, c'est 1,75€ fois 2, ça fait. Alors? Ben, on t'attend. Mais vous pouvez aller faire caca, pipi, tout ce que vous voulez, hein, en attendant. Mais il marque pas. Mais si, si c'est marqué, c'est parce que tu vois rien, surtout. Mais revenez demain. T'avais 3,50. Ça fait 3,50. Ça fait 3,50. Plus jus de quoi? Le pur jus pomme, 1,55. Le épargne, 2 fois 74 centimes, ça fait 1€. Et des brouillettes. Le lait, bah, je vous l'ai dit, 1,20€. Et les coca, bah, je vous l'ai dit, 3€. Tiens, attrape. Hop là. Mais pourquoi tu n'attrapes pas? Oh, comme Mahou, ça ne s'est pas joué. Donc ça nous fait un total de 6€. Non, 8€ des poussières. Mon poudine qui tombe. Donc voilà, mes amis. Elle s'est fait un café, elle a même pas fini. Et 5 minutes. Mais 5 minutes. Oh, c'est incroyable, c'est 5 minutes. Bon, nous, on se retrouve par hasard. Et on se retrouve par hasard. Par hasard. Et on se retrouve par hasard. Tchao,